pour écouter le mot d'accueil du Père. Chers fidèles du Christ, bonne fête! Nous accueillons Monseigneur le Nonce Apostolique dans l'archidiocèse de Yaoundé en ce grand jour de Noël. Excellence, soyez le bienvenu. Les eaux du Fundi, les eaux de la Meufou, les eaux de la Famba, les eaux de la rivière de la Canon, qui coulent dans le fond des vallées de nos trois départements, couvrent en ce jour de leur fraîcheur votre présence au milieu de nous. Les monts de Yaoundé, dont le mont Feu est illuminé, le mont historique de Colmelen et la chaîne des monts de la Nicombe, toutes nos collines, dans la majesté de leur hauteur, vous accueillent dans leur département respectif au cœur de l'archidiocèse de Yaoundé. La mémoire des ancêtres de toutes nos traditions culturelles et la mémoire des ancêtres de l'Église qui est à Yaoundé vous embrasse et vous ouvre l'hospitalité de leur terre, de leur maison, de leurs églises et de leur cœur. L'histoire du vicariat du Cameroun à Yaoundé, les belles figures de Mgr Henri Fitcher, Mgr François Zadévort et Mgr René Gratin, oui, cette belle épopée missionnaire vous accueille en digne héritier de la tradition de l'Église universelle. L'archidiocèse de Yaoundé, première archidiocèse du Cameroun, vous offre sa mémoire ecclésiale, chrétienne, culturelle, ainsi que l'intercession de mes prédécesseurs évêques pour offrir à votre mission apostolique la sagesse et l'amour de Dieu, vécu ici depuis plus d'un siècle. L'archidiocèse de Yaoundé vous offre, au montre de collines de la fraîcheur et du vent oxygéné où vous résidez, l'ouverture à la cité capitale, siège des institutions nationales et internationales qui font de cette belle ville un Cameroun en miniature. Au cœur de votre bienvenue, la majestueuse cathédrale de Yaoundé vous embrasse avec ses lettres de noblesse historique, avec sa longue tradition de catholicité, avec son auguste mémorial des grands événements de notre pays. Elle est fière de partager avec vous son attachement à la mémoire du saint Jean-Paul II, qui lui aussi s'est assis sur ce même cathèdre qui vous accueille. Il a prié ici pour le Cameroun et le monde devant ce tabernacle avec le peuple de Dieu en l'an de grâce 1995. Cher Monseigneur le Nonce Apostolique, laissez-vous donc ovationner par les 6 millions d'habitants de nos trois départements qui composent l'archidiocèse de Yaoundé. Laissez-vous applaudir par les 500 prêtres et les 1000 religieuses, les 200 paroisses et 700 des 1000 jeunes scolaires. Laissez-vous accueillir par cette diversité culturelle qui s'unit dans la complémentarité et qui fait l'Église. Père de la nation. Où
aujourd'hui jour de Noël, placé sous le signe de l'amour des pauvres, quel beau jour pour nous de vous donner notre hospitalité. En communion avec toute l'Église universelle, en amitié préférentielle des pauvres, cette liturgie solennelle se conclura par l'ouverture de la place publique et symbolique de la Caritas des pauvres au fronton de la cathédrale. Excellence, Monseigneur le Nonce Apostolique, chers fidèles du Christ, chers fils et filles de Dieu, que Dieu nous donne en ce jour de Noël d'accueillir avec vous cette mission d'espérance et de paix. Que le Christ renouvelle chaque année en chacun de ses fidèles et des hommes de bonne volonté la grâce de l'incarnation. Que cette Eucharistie soit pour vous et pour nous une source de multiples bénédictions et d'actions de grâce. May God grant us on this Christmas Day to welcome with you the mission of hope and peace. May Christ renew in each of his faithful and men and women the grace of the Incarnation. May this Eucharist be for you and for us a source of multiple blessings and thanksgiving. Et le Verbe se fait chair. Merci. Thank you.
Oh,
me guère, me guère, à un nouveau prophète. À mon micro, je dis, me l'homme béni à l'homme, il doit avoir un bien, à un nouveau prophète. Il y en a qui est tout à l'heure libre, à ce domicile. Moi, nous étions, il y a un peu à l'heure qu'on est rien, mais pour me dire, il y a un livre de notre vie, de notre vie, à votre vie, de notre vie, de notre vie. À pardonner sa vie, nous, et nous, de notre vie, il y a un sort de bon service, à votre vie, de notre vie, un bon nom, et tu es dit, à l'unité. À la fois, nous, de notre vie, et Dieu est en l'air, en l'air. Et nous sommes faits, ça m'a pas mis au nous Dormir.
Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient dans son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Excellence, Monsieur Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Distinctes autorités civiles, militaires, traditionnelles, écuméniques, académiques, culturelles, chers recteurs de la cathédrale Notre-Dame de Victoire, Père François Xavier, chers frères,
Chers frères et sœurs, j'apporte les salutations, les prières et les bénédictions du pape François. À cette nation bien-aimée du Cameroun, le Saint-Père pape François est spirituellement proche du Cameroun, confiant en la grâce divine qui peut permettre à nos corps d'accueillir parmi nous le Saint-Enfant, le Prince de la paix. Chers frères et sœurs, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Je me sens vraiment comme un frère parmi les frères et sœurs du Cameroun. Une fois de plus, je remercie Son Excellence Monseigneur Jean Mbarga pour l'invitation à cette célébration de Noël en votre église cathédrale en ce jour spécial de Noël. Merci. J'accueille la litanie des personnes, institutions et points de référence naturelle que Monseigneur m'a parlé de cet accueil très chaleureux que j'ai reçu. Merci. Frères et sœurs, Noël est une période extraordinaire pour les chrétiens. En effet, l'Église célèbre de manière extraordinaire la naissance du Prince de la paix, notre Sauveur. À Noël, l'Église organise quatre célébrations liturgiques différentes pour nous aider à célébrer ce merveilleux événement. Chacun des quatre messes comporte des prières et des lectures différentes. Lors de la messe de la veille, le 24 décembre, nous méditons les paroles de l'ange à Saint-Joseph de ne pas avoir peur et de prendre Marie et l'enfant qui grandissent à elle dans sa maison. Nous prions comme communauté des fidèles pour que la grâce de Dieu nous aide à accueillir avec joie Jésus comme notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur. Lors de la messe de minuit, le 24 de décembre, nous contemplons la gloire radieuse de Dieu qui brille autour des anges qui annoncent la bonne nouvelle avec une grande joie aux bergers éveillés, veillant la nuit sur leur troupeau. Comme communauté des croyants, nous prions pour que la naissance du Christ puisse faire briller la lumière divine dans les ténèbres et nous amener à voir toutes choses à la lumière du Christ. Nous prions comme des fidèles pour que la naissance du Christ puisse faire briller la lumière divine dans les ténèbres et nous amener à voir notre vie, même ici au Cameroun, à la lumière du Christ. L'ordre de la messe de l'aube, bientôt le matin du 25 décembre, nous partageons la hâte des bergers à Bethléem pour voir l'enfant sauveur.
milliers de fidèles, nous demandons, nous prions, Seigneur, la lumière de la foi pour nous aider à rencontrer le Christ et offrir à lui notre vie comme une digne offrande. Ici, aussi, à Yaoundé, lié à toute l'Église dans le monde, nous nous offrons et nous demandons au Seigneur de nous aider à rencontrer le Christ. Dans toutes les prières et lectures, en relisant les Saintes Écritures, nous retraçons la révélation de Dieu et nous demandons à être conduits dans le mystère. Lors de la messe du jour, cette messe ici, la messe que nous célébrons maintenant, l'Évangile et les prières nous conduisent à une conclusion dramatique. Nous entendons l'explication la plus profonde de l'Église sous le significat de Noël. La raison pour laquelle on célèbre Noël. La raison pour laquelle on célèbre Noël, c'est ce que Jésus cherche à faire en nous, en toi et en moi. C'est le pourquoi derrière le pourquoi de la manifestation du Fils de Dieu en homme. C'est le pourquoi de la manifestation de Dieu en homme. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean que nous venons de proclamer est l'un des passages les plus profonds de toute l'Écriture sainte. Contrairement aux lectures évangéliques des autres messes de Noël ou des centaines de peintures, centaines d'illustrations ont été réalisées et des centaines de cantiques de Noël ont été écrits à leur sujet dans des époques et des différentes langues. Ce message d'aujourd'hui est réellement transformé en œuvre artistique. En cet évangile, il n'y a pas des anges, pas de bergers qui viennent, pas des étoiles qui brillent, pas de petites villes de Bethléem, pas de Marie et de Joseph. Mais cela rappelle à l'esprit et au cœur qui se dit, se cache sous tous ces détails inoubliables. Cela nous communique premièrement que l'enfant Jésus, placé dans la crèche, est l'incarnation même du Verbe qui était avec Dieu, qui était Dieu. Cet enfant est la parole éternelle. Par amour pour nous, pour toi et pour moi, Dieu a pris notre chair, notre nature humaine et a eu domicile parmi nous. Deuxièmement, cela souligne le mystère de savoir si nous acceptons ou si nous rejetons le don de Dieu. Si nous sommes comme les anciennes aubergistes de Bethléem qui refusaient de faire
hommes comme cette femme Marie et son mari, Cachapotier, Joseph, qui ont accueilli cet enfant et lui ont permis de modifier le cours de leur vie, de leur propre vie. Dear brothers and sisters, Saint John the Evangelist says, he came to what was his own, but his own people did not accept him. But, dear brothers and sisters, and this but is the most important but in human history, but to those who did accept him, to those who believed in his name, who were born not by natural generation, nor by human will, not by a man's decision, but of God, he gave power to become children of God. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble la manifestation divine de Dieu. Nous remercions le Seigneur d'être allé bien au-delà de ce qui était possible pour les habitants de Bethléem. Là, Marie et Joseph, les bergers, les anges, les mages et autres, pouvaient tous venir adorer le Christ Seigneur de l'extérieur. Mais ici, dans cette Eucharistie à la cathédrale Notre-Dame de la Victoire du Yaoundé, nous avons le privilège d'adorer le même Christ à l'intérieur. Oui, oui, c'est nous acceptons vraiment Jésus. Oui, c'est nous le recevons comme il souhaite être reçu. Oui, si nous permettons à celui qui a pris chair humaine de prendre notre chair et notre sang, alors nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Jésus, enfants de Dieu. C'est la réalité de Noël, mes frères et sœurs. Le premier saint de l'Église appelait cela en latin « admirabile commercium », c'est-à-dire l'échange miraculeux. Dieu a pris en charge notre humanité pour faire de nous des participants à sa propre vie divine. Alors, frères et sœurs, je vous demande, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus Emmanuel, Dieu avec nous? Voulez-vous adorer l'enfant Jésus qui est venu à nous? Voulez-vous accueillir Jésus, le prince de la paix au Cameroun? Voulez-vous prier et vous consacrer à son royaume éternel? Cameroun, levez-vous, fidèles du Cameroun, prendre votre place dans l'Église universelle. En effet, l'enfant Jésus nous apporte le royaume éternel et universel, le royaume de sainteté et de grâce, le royaume de justice, d'amour et de paix. Dans l'Église, nous pouvons recevoir Jésus et être transformés par Jésus de l'intérieur avec la très sainte Eucharistie.
le point culminant de l'échange miraculeux, c'est la très sainte Eucharistie. La raison de Noël est de nous conduire à ce que le Christ accomplit ici dans notre sainte Eucharistie. La parole de Dieu ici devient chair et habite parmi nous. Nous voyons la gloire de Dieu, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Ouvrons nos cœurs au Prince de la paix. Vraiment, venez, adorons-le. Joyeux et sainte Noël.
Thank you.
Thank you.
Présenté à ce jour de solennité, que soit la
C'est des réalités. Ça veut dire que dans la vie, tout n'est pas toujours comme on veut.
au rapport des difficultés et ont dit à Jésus de venir arranger tout cela. Le berceau de l'enfant Jésus est posé sur les feuilles du cacaoyer. Le cacaoyer est devenu pour beaucoup signe de développement. On dit que nos pays sont en voie de développement, mais nous demandons à Jésus de nous apporter beaucoup de richesses intérieures pour que nous puissions nous développer. À l'entrée, il y a des carrosses de cacao, justement le fruit du travail des hommes. Et à côté des carrosses, vous allez trouver un régime de bananes. Parce que chez les métiers actuellement, on approchait le régime de bananes à l'entrée de la maison pour les passants. Or, quand l'enfant vient naître, il y a l'abondance des gens qui viennent en visite. Que chacun puise sa part de grâce avant de partir. À côté, vous avez un feu qui est orangé, qui attend la marmite dans laquelle on met l'eau pour masser la femme qui vient d'accoucher. Et le balai est déjà à côté, prêt à ce travail. La haute est à côté pour rappeler le rôle de la femme dans la société. Dans notre crèche, cette année, demande à Dieu de nous apporter l'abondance. Loué soit Jésus-Christ. J'ai voyé oublier, après cet instant, la possession va se diriger vers la sortie, où nous retrouverons à la place de la Caritas, devant le kiosque de la Caritas, qui est la place pauvre. Là, le nom s'est achevé quand on inaugurait le kiosque de la Caritas, et certainement aussi bénir la table du pauvre que nous offrons chaque année avec le concours d'un certain nombre de chaque année à Noël, nous offrons un repas chaud aux pauvres. Merci. La chorale, vous voyez bien les journalistes libérer l'entrée de la nave. Voilà. C'est par là que monter plutôt. Thank you.
Cameroonais. Dame, sommes-nous les bontés, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, parce que Abbé, abbé.